n'est pas le premier qui marque dans ce genre-là. On va sur le ralenti, que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. T'es en dehors de Casino, je sais pas où. Avec ces très belles images. Vas-y, appelle ton véhicule. Rien acheté sur ce but, le corner, le démarquage, le timing. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Attends, toute sa puissance dans la frappe. On revoit tout ça au ralenti. C'est impressionnant. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre derrière. Et Solari qui nous start, tu rejoins quand? T'es encore dans un chargement? Lucas Modric, tu parles en dehors 2018. Micro de putain. Qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui. La puissance, la détermination, la lucidité aussi, tout était réuni pour que cette action. Belle lucarne, magnifique, rien à dire. Le gardien a été un peu lâché par sa défense. Une petite lucarne en tirant finesse, en plus c'est beau. C'est que c'est nul. D'accord. J'ai récupéré toutes les coffres et toutes les balles. J'ai perdu l'arme deux fois. Ça y est. Lucas Modric, tu l'as fait ça. Lucas rentre. Putain, j'ai fait 2,50-50. Je perds l'arme deux fois quand même. C'est quoi ça? Je me mets à droite et tout. Bien sûr. Lucas Modric, il a enfin réussi à marquer. Il a fait une putain de lucarne, mon gars. Magnifique. Et il était pressé par Virgil van Dijk. Et Lucas, aujourd'hui, maman sur ton petit cul, cherche le chemin. Un peu de conviction dans le geste. Oh putain, il connaît pas, il a loupé son enfance. Ah, tu connais. Oui, bah, j'ai déjà entendu celle-là. Bon, après, c'est vrai que c'est un 2005, c'est vrai que. Ouais, voilà. C'est plus. Non, mais lui, je suis en n'importe quoi. Le nouvel an et l'autre nom. Philosophie, ça a payé, bravo. Ok, bah, tu t'es fait douiller. La douille! Désolé à Abel, mais non, coup, en vrai, pas incroyable. Hein. Oui, mais tu vois, Lucas. Elle est pas où? En fait, c'est la défense. Militao, il était cheaté, mais qu'au début. Maintenant, il se fait passer par tout le monde. Et ça fait un but de plus au compteur personnel de ZZ. Ouais, avec plein de buts importants que personne n'a oublié pour Zidane. Ah, c'est net, Pierre, on le revoit. Ils font la différence sur une passe. Hein. Une passe millimétrée, le buteur est dans des conditions parfaites. Il n'a plus qu'à battre le gardien. Occasion pour cette équipe de passer devant au tableau d'affichage. Regardez comme le gardien a bien joué le coup. Le gardien qui remporte son duel sur ce pénalty. On revoit tout ça au ralenti. Superbe. Yeah, oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Bah là, il n'était pas tout près, hein, c'est ce qu'on puisse dire. Le tir est super bien placé. Et l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement, même depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. Ouais, c'est le Bugag, hein. C'est vraiment le Bugag dans toute sa splendeur. Hein. Il y en a que là qui vont faire la tronche. Hein. Peut-être que c'est l'entraîneur des gardiens qui est le plus en. Oui, pas un joueur rare. Grâce à ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant. Bah, ouais, tu portes du lourd. Il est très très lourd. C'est en non échangeable en plus. On voit ce but sous un autre angle. Bah, bah, dans les départs, bah non, tu vois de la merde, fais-le quand même, ça te fait un jour en plus. Ah, il est éclaté, lui il a genre 50 ans de tir, Bousquet. Hein. C'est apprécié, le ralenti sur ce but. Bah, t'as tiré à côté. Normal. Bah ouais. C'est ça le but du sud, hein, c'est d'avoir tout à côté. Bah, à côté de chez moi, il y a la ferme, mon copain. Du coup, je vais à la ferme tous les étés. Et il a 4,7 quand même de note le bassin de Marcachour sur Google. La défense qui n'a pas réussi à le contrer sur cette action. Hein? Un but somme toute assez logique. Bah devine, tu dis rien maintenant, on va me donner combien. C'était déjà la plus forte, après le match par le Bongo, forcément ça paye. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Putain, j'allais lui donner un indice, mais il connaît pas. C'est bête. Oh, le
joli plongeon. Pour même pas, les amis. Laisse tranquille. Ça tape la barre et ça rentre. Mitoprad. Vas-y, je te rends dans le. 4-0. Point de pénalty sur ce corner. Ouais, mais c'est trop, c'est magnifique. Trop, c'est trop, en fait. La défense c'est qui s'est. Un tir lointain. Non, faut pas tant qu'un rejeteur. Oh, la frappe incroyable. Oh, 5 à 10 minutes. Oh, quelle frappe. Ouais. SW ou normal, Pancrate. C'est ça la question. Alors, ralenti du but à présent. Très bien frappé, corner, le ballon arrive vite et puis devant le gardien, c'est parfaitement exécuté. C'est apprécié le ralenti sur ce but. Je suis morte. Son gros crâne. Bah ça se dit. 8 c'est le crâne Asdin, donc c'est son crâne. Le but. Ah, bel effort là de Kun Agüero. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Oh, quelle frappe! Quel exploit, quelle puissance sur cette frappe. Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe, c'est magnifiquement fait. Regardez son équilibre au moment de la frappe, il rentre bien dans le ballon, et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. Pertard, hein. Ça touche le poteau avant d'entrer. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui, il ouais, en est déjà c'est à plus, deux buts. C'est plus Papa Boom, c'est Papi Boom. C'est plus la même chose. Apprécier ce but comme il se doit. Ouais, une vingtaine quoi. Tranquille. Et... Tout est parti vraiment de ce ballon récupéré. Oui, quand tu passes ton match à gêner le porteur du ballon, tu finis par en récupérer et puis des bons en plus et ça peut amener un but après. Le gardien qui a pas envie d'aller dans son lit. Ouais, bon, on fait ça, justement. On les emmènera chez toi, on fera connaissance. Denis Bergkamp. La frappe, la très lourde frappe que l'on revoit en ralenti. Il avait une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Il mérite toute la puissance qu'il met dans ce ballon, l'équilibre parfait au moment de la frappe. Dans cette partie qui commence très bien. On le revoit sur ces images, le gardien n'a pas grand chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Qui est le résultat d'un travail de toute l'équipe. Oui, collectif, parce que tous les joueurs participent au pressing et l'adversaire a fini par craquer. Ah, je crois que c'est pas le cas. Ah, maintenant, il prend le large, c'est sûr. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Qui donne l'avantage à l'équipe. Un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore, attention. Là on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite des buts. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Quel but, beaucoup de conviction dans le geste, une puissance absolument phénoménale, admirez-moi ce ralenti. On pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance aussi loin. En fait, il a eu raison, hein. Le fou son instinct. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. C'est vraiment très bien joué. Ouais, il s'est pas écoulé beaucoup de temps entre la récupération de la balle et le but. Les défenseurs n'ont pas eu le temps de comprendre, on dirait. Le gardien qui s'incline. Oui, il a souffrance disponible sur ce centre. Après, il a fait la différence avec sa tête. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra.
par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, il n'y a pas de secret. On a tout de suite vu qu'il était bien placé là pour marquer. On observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier. Entrée. Et le ballon qui finit sa course dans le but après avoir, on le revoit en ce moment, heurté le montant. À quelques centimètres près, le poteau aurait repoussé ce ballon. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but.